Bonjour. Je récupère le statut d'hôte ou...
Bonjour. Bonjour. Hop. Je vais préciser mon nom d'ailleurs, c'est Hop, bien. juste, je ne vous entends pas. C'est pas normal. Moi, je vous entends très bien. Voilà, c'est bon. C'est mieux. Oui, parfait. Parfait. Bien. Merci beaucoup. Hop, juste, je voulais. Parfait. Je vais admettre tout le monde vers 14h05, le temps que tout le monde soit là. Très bien. Parfait. Je crois que je vais peut-être commencer à admettre les gens comme ça, le temps de faire. Nickel. Le temps que les jonctions se fassent. Bonjour à tous. Nous allons juste attendre quelques minutes, rapides minutes. Le temps que toutes les jonctions se fassent. On m'entend bien? Nickel, merci beaucoup. Bienvenue à tous. Veillez à ce que personne ne reste dans la salle d'attente. Eh bien, je pense qu'on peut commencer tranquillement. Les autres nous rejoindront en cours de route. Donc, bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire d'échange dédié à la compréhension des dispositifs de l'ANCT, donc dédié à la transition écologique et au développement du numérique. Donc, c'est un plaisir de tous vous avoir aujourd'hui. Et donc, pour commencer tranquillement, je vous propose de réaliser une petite intro rapide pour remettre le contexte de pourquoi un webinaire sur ce sujet et des différents travaux de Leader France sur les dispositifs de l'ANCT. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élise Lebreuil. Je suis chargée de mission à Leader France. J'ai pour mission l'accompagnement des GAL dans l'articulation de leur fonds Leader avec les dispositifs de l'ANCT, donc qui est une des missions de Leader France et qui souhaite entre autres proposer un accompagnement adapté aux besoins des GAL. Et donc c'est pour cela que Leader France mène toutes sortes d'actions, donc dédiées une meilleure connaissance des dispositifs de l'ANCT depuis les GAL. Et donc ce travail a débuté tout d'abord avec un travail de recensement des besoins des connaissances des GAL sur le sujet des dispositifs de l'ANCT. Donc, ce travail a débuté avec un questionnaire. Le recensement a commencé avec un questionnaire qui a été lancé entre décembre 2021 et janvier 2022. Donc, il était à destination des GAL. Il reposait sur trois questions, c'est-à-dire savoir quelles étaient les connaissances actuelles des GAL sur les dispositifs de l'ANCT, recenser leurs besoins en matière d'information sur ces dispositifs et savoir sous quelle forme ils souhaitaient disposer de ces informations. Donc, suite à ce questionnaire, nous avons obtenu une centaine de réponses et nous avons pu établir plusieurs éléments. Et
Donc, que certains programmes étaient très bien connus, d'EGAL, notamment le dispositif Petite Ville de Demain, connu par 98% des répondants. Mais d'autres programmes, cependant, semblent beaucoup moins bien connus, hein, et notamment les dispositifs de l'axe numérique, hein, comme Nouveau lieu, nouveau lien, connu par uniquement 15% des répondants. Le dispositif incubateur des territoires, connu par seulement 10% des répondants, ou le programme Mission numérique, qui n'est connu que de 4% des répondants. Donc, de même, hein, si les dispositifs sont connus, les répondants estiment que leurs connaissances sur ceux-ci demeurent moyennes, puisque les GAL ont estimé leur connaissance des dispositifs numériques à environ 4 sur 10. Néanmoins, il était noté, malgré cette méconnaissance relative, les GAL ont répondu avoir un certain besoin sur les dispositifs numériques, puisque plus de la moitié des répondants désiraient en savoir plus sur les dispositifs dédiés tels que Mission Société Numérique, Nouveau lieu, nouveau lien et Plan France Très haut débit. Voilà. Après, pourquoi un webinaire? Eh bien, parce que 77% des répondants souhaitaient disposer de ces informations sous cette forme. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui a permis à Leader France de construire, en partenariat avec l'ANCT, le webinaire actuel. Donc, sujet de ce webinaire qui se veut d'actualité, hein, puisque un des sujets majeurs de cette nouvelle programmation Leader et des années à venir est la place à accorder aux ruralités au sein des grandes transitions. C'est une question majeure qui a été abordée, entre autres, lors de la conférence sur le pacte rural, hein, qui a été organisée par la Commission européenne, qui s'est tenue mi-juin à Bruxelles. Et par ailleurs, les grandes transitions seront également le sujet des assises de l'ingénierie organisées NCT début juillet 2022. Donc, parmi ces grandes transitions, deux sont à noter. Tout d'abord, la transition numérique et digitale qui doit prendre corps au sein des territoires ruraux, puisque le sujet a été évoqué lors de la conférence sur le pacte rural, que le numérique est la clé de voûte pour l'amélioration de l'attractivité des territoires ruraux. Donc, que ce soit dans le développement du réseau numérique ou dans le développement de son accessibilité au public. Donc, le développement numérique est par ailleurs un pilier central, hein, des politiques nationales, notamment au cœur du plan de relance, et c'est pourquoi l'ANCT dévoue un de ses trois axes d'action au numérique, comme nous l'aborderons un peu plus tard dans ce séminaire. Une deuxième transition essentielle, évidemment, et dans laquelle les territoires ruraux doivent trouver leur place, c'est la transition énergétique et écologique. Donc, pendant la conférence sur le pacte rural, il a été rappelé le potentiel des zones rurales, évidemment, et l'importance, hein, surtout, qu'elles deviennent partie prenante de cette transition verte, impulsée entre autres par le Green Deal. Et lors de cette même conférence, il a été rappelé que les GAL sont les acteurs les plus adaptés pour mettre en place ces transitions, de manière efficace surtout. La place du développement durable et de la lutte contre le changement climatique doit donc être articulée avec le développement rural et le développement, de manière plus large, le développement territorial. Et donc, c'est toute la fonction attribuée au contrat de relance et de transition écologique, donc qui sera présentée dans quelques instants maintenant. Pour conclure rapidement, les territoires des GAL recoupent donc sur leur territoire différents dispositifs de l'ANCT. Et donc, Leader France souhaite, par ses différentes actions et par le présent webinaire, développer les connaissances des GAL sur ces sujets afin qu'ils puissent utiliser toutes ces ressources lors de la construction de leur candidature. En parallèle de ces webinaires, Leader France a donc produit des cartes mentales que je vais me faire une joie de vous partager de suite. Hop. Normalement, c'est celle-là. Voici. Et donc, ces cartes mentales visent à visualiser un petit peu plus, de manière un petit peu plus pratique, chaque axe d'action de l'ANCT. Et donc, celles-ci sont, il y a trois cartes mentales, une par axe d'action, donc politique de la ville, numérique et territoire. Donc, cela conclut. D'ailleurs, par ailleurs, les cartes mentales sont disponibles sur le site. Je vous enverrai le lien dans le chat. Donc, ça conclut rapidement ma petite introduction sur les travaux de Leader France. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui va se découper en trois temps. Un premier temps
avec les CRTE, avec une présentation de Monsieur Mekdoud et un témoignage de Madame Macle, qui est chef de projet au PETR du Briançonnais des Écrins du Guillestrois et du Queyras, pardon, excusez-moi. Un deuxième temps sera dédié à l'axe numérique de l'ANCT avec une présentation de Monsieur Laguet. Et enfin, une dernière présentation par Madame Andriot sur le dispositif VTA. Alors, voilà au programme d'aujourd'hui. Pour le programme d'aujourd'hui, pardon, excusez-moi. Juste pour rappel, ce webinaire est un webinaire d'échange, donc nous vous incitons très fortement à participer, que ce soit poser des questions, que ce soit dans le chat ou en levant la main. Je suppose que vous savez comment faire maintenant. Et donc, s'il n'y a ni question ni opposition, je propose que nous donnions la parole à M. Mekdoud. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Occasion intéressante pour nous hein, de présenter donc, les contrats de relance et de transition écologique. Je suis Julien Mekdoud à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui sera le thème principal de ce webinaire. Je suis auprès de M. Jérôme Buton, qui est connecté, hein, qui est le directeur général délégué territoire et ruralité et coordinateur national des contratants de cette transition écologique. Donc, c'est l'occasion un peu pour nous de vous faire un point d'étape hein, de cette démarche qui est déjà engagée depuis un peu plus d'un an et demi, puis vous donner un peu quelques grandes tendances un peu de ce qu'on peut constater dans ces contrats et quelques perspectives qu'on imagine pour la suite et qui vous seront intéressantes sur vos propres dossiers. Alors, je vais partager mon écran j'ai pas le droit. Est-ce qu'on peut m'autoriser à partager mon écran? A priori, je devrais pouvoir maintenant. C'est parfait. C'est bon, vous pouvez, tout le monde voit mon écran. Yes, c'est parti. Alors, donc comme je vous l'expliquais, on vous met une petite présentation, en tout cas, pour vous un peu donner une idée sur la temporalité. C'est-à-dire que les CRTE, ils ont effectivement été lancés par la circulaire du 20 novembre 2020 donc, de l'ancien Premier ministre Jean Castex. Et ça remontait déjà un petit peu en amont. Il y avait déjà eu quand même quelques tendances qui laissaient un peu arriver ce nouveau mode de contractualisation. Donc les territoires en fait demandaient déjà depuis quelques années à l'État d'un peu organiser sa contractualisation territoriale qui était extrêmement nombreuse et assez dispersée. Hein. C'était notamment lors de la conférence nationale des territoires de 2017 où déjà commençaient un peu s'exprimer ces volontés. Il y avait une expérimentation qui avait été menée par les collègues du ministère de la Transition écologique via les contrats de transition écologique hein, qui ont été menés entre 2018 et 2020. On est arrivé jusqu'à plus d'une centaine de contrats signés. Et donc, les CRTE sont aussi venus un peu en déclinaison de la loi qui crée l'ANCT. Donc, la loi de juillet 2019 prévoit également la création de contrats de cohésion territoriale. Et finalement, les CRTE, ce sont la première application concrète de ce contrat qui se veut ensemblier d'un ensemble de contractualisation au profit du territoire. Donc, nous avons travaillé surtout en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes sur le terrain. Donc, c'est une démarche qui est totalement déconcentrée et décentralisée. Donc, ce sont les préfets avec leurs équipes sur le terrain qui, auprès des collectivités, ont élaboré ces contrats. Et donc, aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, nous en sommes à presque 820 contrats signés sur les 850 périmètres prévus. Donc, en fait, la première phase de signature est quasiment achevée. Donc, on a déjà un premier constat intéressant d'avoir montré qu'on va avoir un dispositif qui, pour la première fois, couvre l'ensemble du territoire. Je pense que c'est une des premières fois où on a ce dispositif contractuel qui couvre autant. Alors, pour vous rappeler un petit peu la philosophie hein, de ces contrats de transition écologique, qui étaient dans un premier temps, comme le nom l'indique, sur la relance, aussi axée, hein, donc 2020 post-crise sanitaire, un peu pour essayer de contrecarrer les effets de la crise, et bien justement d'avoir un grand plan de relance massif, et les contrats de relance de transition écologique avaient la vocation aussi à organiser finalement l'atterrissage, si je puis dire, ou la mise en œuvre au plus près des territoires de tous les crédits, d'une bonne partie des crédits de la relance, et les mettre au profit d'un projet de territoire. Donc c'est vraiment le projet de territoire qui fonde la contractualisation, c'est sur ce projet que le contrat est construit.
Et donc, s'il y avait le temps court de la relance qui était au départ, la volonté, c'est d'accompagner les élus sur toute la durée de leur mandat. Donc, les CRTE sont signés, ont été signés dans tout 2021 et aujourd'hui, et dureront jusqu'en 2026. Donc, on est vraiment sur l'ensemble du mandat. C'est un contrat qui n'a pas à se concevoir comme un contrat État EPCI, parce que l'EPCI est en effet la maille de contractualisation, mais c'est un partenariat à l'échelle d'un EPCI avec un ensemble d'acteurs de territoire. Donc, ça veut dire qu'on retrouve à la fois donc les intercommunautés qui sont un peu chefs de file, mais également les communes, les départements, des régions, des différents partenaires institutionnels, banques des territoires. Enfin, on pourra parler un peu de différents types de signataires, mais c'est vraiment un contrat qui se veut aussi multipartenariat, et pas seulement un contrat État-collectivité, mais un peu plus global. Un autre aspect important, c'est que c'était, comme je l'avais évoqué au départ, pour l'État, une ambition d'essayer un peu de rapprocher les différents contrats qui existent en les mettant un peu en cohérence sur la base d'un projet de territoire, avec une vision transversale à la fois sur la transition écologique, comme le nom du contrat l'indique, et également sur la cohésion du territoire. Un peu, ce contrat doit être le cadre pour favoriser en fait, la mise en œuvre concrète et territoriale de l'ensemble des politiques de l'État, avec un contrat qui est souple, évolutif. Ça, c'est une donnée extrêmement intéressante, c'est que les contrats initiaux vont évoluer, vont s'enrichir au fil du temps, on y reviendra, mais vraiment pour rester toujours, pour rester en cohérence avec les priorités du territoire, nouvelles opportunités, des nouveaux besoins, pour vraiment le contrat s'adapte au projet. Et pour autant, le CRTE ne devient pas en effet l'unique support de financement de l'État. Hein. L'ensemble d'autres projets restent éligibles au crédit de l'État. On pense notamment à des projets communaux hein, qui continuent à avoir des crédits directement en dehors du CRTE. Voilà, donc pour aussi, bon, voilà, c'est un outil qui est assez ambitieux sur différents points. Donc évidemment, tout ce qui est donc, la crise écologique à laquelle nous faisons face, hein, en essayant de faire en sorte que l'ensemble des projets que l'on soutient permettent justement de lutter contre les différents effets des crises écologiques, également pour réduire les fractures territoriales, ça encore une fois, en travaillant sur des bassins de vie bien identifiés, répondre évidemment aussi à des enjeux démocratiques en rapprochant la décision au plus près localement, donc d'avoir des démarches vraiment déconcentrées, décentralisées qui se font au plus près du territoire, et potentiellement un outil support de la future planification territoriale qui a été évoquée pour vraiment permettre de mobiliser l'ensemble des acteurs pour concourir à ces grands enjeux auxquels nous faisons face. Les principaux chiffres, donc pour vous voir un peu quelques ordres de grandeur, donc 850 périmètres en gros qui ont été définis localement entre les préfets et en concertation avec les élus, principalement à l'échelle d'un EPCI. Donc, vous voyez, il y a 681 CRTE à l'échelle d'un EPCI, et 170 en gros à l'échelle de regroupements pluri-intercommunaux type PETR ou PI, parc naturel. Vraiment, donc, c'est principalement à un échelon de proximité fin. Actuellement, donc, 800, presque 820 contrats signés, donc on est à plus de 96%. La démarche est également bien engagée dans les Outre-mer. Et finalement, on a encore très très peu d'intercommunalités, il n'y en a que 3 qui n'ont pas encore à démarrer, mais elles sont évidemment invitées à le faire. Donc, vous allez voir ça en carte, même si la carte, il faut qu'on l'actualise, parce qu'il y a encore, on a encore eu des signatures depuis. Donc, c'est une carte, plus elle est verte foncée, plus les contrats sont signés. Donc, c'est une carte que depuis 2021, nous avons vu au fur et à mesure se couvrir de signatures. Donc, pour avoir, on voit bien qu'il y a des régions où c'est déjà signé à 100%. Donc, carte que vous pouvez évidemment retrouver sur le site de l'ANCT et qu'on actualise très régulièrement. Là, on va refaire une actualisation cette semaine à titre d'information. Et vous trouverez également l'ensemble des périmètres également disponibles sur le site de l'ANCT. On mettra les références dans le chat. Pour vous donner un peu d'ordre de grandeur, vous avez une répartition par région. Donc, on voit que la région qui a le plus de CRTE, donc c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Bon, évidemment, dans les Outre-mer, les territoires sont plus petits, donc il y en a moins. Mais c'est pour vous donner un peu des ordres de grandeur du nombre de contrats qu'on peut retrouver par région et le taux d'avancement de signature qui globalement quand même a très bien avancé sur l'ensemble des régions. Pour accompagner l'élaboration, aussi on voulait rappeler que l'ANCT et ses partenaires ont mis un ensemble de moyens d'ingénierie à disposition des collectivités. Donc nous avons travaillé soit directement l'ANCT à mobiliser ses propres moyens d'ingénierie via nos marchés ou des subventions pour l'élaboration des CRTE,
Soit également, nous avons travaillé avec le CEREMA, qui accompagne à peu près 60 territoires, et l'ADEME, qui, via son contrat d'objectif territorial, a accompagné en fait l'élaboration de 110 CRTE. Donc, on a accompagné près de 500 collectivités dans l'élaboration de leur CRTE. Et nous continuerons évidemment à accompagner pour la mise en œuvre de ces contrats avec des moyens d'ingénierie, qui est aussi un des cœurs de métier importants de l'ANCT. Pour vous donner quelques idées un peu sur la répartition des signataires, hein, donc, comme on l'avait évoqué, on retrouve principalement les CRTE signés à l'échelle de communautés de communes. On est vraiment sur un échelon assez fin. On a également sur des côtés d'agglomération. Et après, c'est également par les PETR qui sont très moteurs aussi dans ces contractualisations, qui étaient déjà très présents sur les contrats de ruralité précédents. Donc, on a un peu aussi une forme de continuité d'application des PETR. Donc, vous voyez un peu pour vous donner quelques idées. Alors, nous avons fait une grande enquête. Finalement, tout le monde a fait des enquêtes, donc c'est bien. On est aussi raccord. On a fait une enquête juste après la vôtre. Donc, nous, on a pris le relais. On était en février-mars. Nous avons mené une grande enquête auprès de nos délégués territoriaux, hein, donc les préfets et leurs équipes, pour un peu avoir des idées de contenu de ces contrats et pour pouvoir faire un peu quelques grandes analyses pour un peu voir qu'est-ce qu'on retrouve en termes de contenu. Et surtout dans la perspective des avenants, comme j'expliquais, hein, c'est une démarche très évolutive, qu'est-ce que l'on pourrait améliorer dans ces contrats? Et donc, nous continuons un peu nos analyses pour justement trouver des axes d'amélioration et pouvoir continuer à améliorer les contrats. Parmi les grandes thématiques que l'on retrouve, donc en tout cas, la transition écologique est au rendez-vous. C'est déjà, en tout cas, en volume, hein, et on les retrouve largement. On voit que les questions sur les mobilités douces, l'efficacité énergétique, la gestion de l'eau, également tout ce qui est tourisme durable, l'organisation des transports. Enfin, on a énormément de sujets qui concernent directement la transition écologique, donc c'est plutôt rassurant. La transition écologique est bien au rendez-vous de ces CRTE. Mais également, on a pas mal de sujets sur la cohésion. Vous voyez que culture, patrimoine, santé, le sport, on a également pas mal de choses en rapport à la cohésion. Donc, on est plutôt, en tout cas, déjà dans raccord sur les grandes thématiques. Après, il faut évidemment rentrer dans le contenu, dans la qualité de ces projets que nous souhaitons améliorer. Et je pense qu'il y a mes collègues du Commissariat général au développement durable avec lesquels nous travaillons main dans la main sur l'animation des CRTE. Nous vous présenterons tout à l'heure un peu sur cette partie développement de la transition écologique dans les CRTE. Donc, ça sera juste après. Un petit zoom justement sur la transition écologique. Hein, vous voyez, donc je vous parlais des grandes thématiques qui concernent directement la transition. On voit que les mobilités, donc l'eau, la biodiversité, l'énergie, tout ce qui va être agriculture, cohésion, voilà, un peu une répartition des différents CRTE. Et on voit que les CRTE ont déjà, par rapport à l'objectif et l'ambition initiale qui était d'avoir des CRTE qui traitent un peu de l'ensemble des politiques publiques, on voit que près de la moitié des CRTE sont déjà très transversaux et couvrent à peu près tous les champs de l'action publique. Donc évidemment, c'est déjà le verre à moitié plein, c'est plutôt bien, c'est intéressant, et à moitié vide, il faut continuer, il faut aller plus loin, il faut pousser et multiplier un peu d'avoir cette vision la plus intégratrice et fédératrice possible. Différents contrats, donc les contrats que l'on retrouve dans les CRTE, donc on retrouve évidemment beaucoup de contrats, les contrats locaux de santé ou les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, également les contrats de ville, hein, qui sont des contractualisations que la NCT connaît bien. On avait les anciens contrats de ruralité, hein, également qui étaient présents. Donc là, c'était un peu, ça nous permet de voir ce qu'on retrouve en effet le plus fréquemment et les contrats qui n'y sont pas, comment justement essayer de pousser à l'intégration de nouvelles contractualisations, à rapprocher les contrats dans ce cadre commun qu'est le CRTE. Par rapport au programme de la NCT, donc c'est intéressant, on voit qu'on est à peu près raccord avec vos chiffres que vous avez annoncés en tout début. C'est-à-dire que les principaux programmes sont très connus, type Petite Ville de Demain, on les retrouve très bien. Les France Services aussi, qui est un dispositif qui sont assez connus, on les retrouve bien dans les CRTE. Cœur de Ville aussi, on a quasiment tous les cœurs de ville sont bien dans les CRTE. Et après, bon, on partage, hein, on a encore des axes de progrès sur d'autres politiques, d'autres programmes à mieux retrouver dans les CRTE. En tout cas, on va essayer d'y travailler par rapport à ça sur la suite de la mise en œuvre de ces contrats. En tout cas, on retrouve des chiffres à peu près cohérents avec ceux que vous avez évoqués au début de réunion. Je ne voudrais pas être trop long, hein, je vais quand même juste vous parler, maintenant que ces contrats commencent à quasiment être tous signés, évidemment, ils sont mis en œuvre, hein, donc les opérations sont financées, sont réalisées localement.
Après, donc, il y a évidemment tout ce qui va être de faire vivre les différentes instances de pilotage et de vie des contrats, hein, en essayant d'animer cette démarche et enrichir évidemment ces contrats. Les avenants peuvent être passés autant que le partenariat local souhaite passer des avenants pour améliorer les contrats. Et en les améliorant, on pense à évidemment avoir des maquettes financières beaucoup plus précises, détaillées et larges, hein, qui en mobilisant le plus de sources de financement possible, et pas que ceux de l'État, également les partenaires des autres collectivités, l'Europe, évidemment, qui sera à terme aussi un financeur via les autorités de gestion des crédits européens, mais également des partenariats privés avec des entreprises, des associations, enfin vraiment toutes les forces vives du territoire qui pourront contribuer à mettre en œuvre le projet de territoire. Puis continuer ce que j'évoquais précédemment, un peu à rassembler dans ce cadre commun du CRTE et l'ensemble des différentes politiques publiques, continuer à mobiliser l'ingénierie, donc l'ingénierie qui soit locale, l'ingénierie de premier niveau, hein, c'est l'ingénierie disponible localement dans différentes structures que vous connaissez, mais également pouvoir également solliciter de l'ingénierie nationale, dite nationale, où là, en faisant appel au délégué territorial de l'ANCT pour enclencher, si possible, et en fonction des besoins, un accompagnement par nos prestataires ou nos partenaires en fonction des besoins. Donc, l'enrichissement passe également par un enrichissement du contenu et de l'aspect transition écologique. Et là, ça me fait une transition pour passer la parole à Anne Guilleux, si elle est là. Je vais éteindre mon partage d'écran, mais je serai disponible après pour répondre à des questions. Je pense qu'on fera ça après la présentation d'Anne pour être bien complémentaire sur le sujet. J'arrête le partage. Merci beaucoup, monsieur Mesdoud. Est-ce que des questions tout de suite? Ou Anne, est-ce que Anne Guilleux est dans la salle pour compléter? Non, je ne la vois pas connectée, mais on m'a dit qu'elle était là. Ok, bon, apparemment, ils ont eu un petit souci. Mais on vous enverra leur présentation. Hein, c'était principalement axé autour de l'état des lieux écologiques, hein, des CRTE, ils ont proposé un socle d'indicateurs. Donc, il y a 13 indicateurs sur la transition écologique, hein, qui ont été préparés et mis à disposition, qui se pouvaient les télécharger sur le site de l'ANCT. Donc, c'est partie des sujets importants pour piloter et suivre son contrat via ces indicateurs. Il y a également mis à disposition de grilles d'auto-évaluation des projets pour un peu évaluer l'impact écologique de ces projets. Évidemment, des projets on pousse à ce que les projets les plus vertueux soient évidemment retenus. Et elle voulait présenter également la communauté des territoires de la transition écologique, la communauté Comet maintenant. Donc, nous vous enverrons tous ces éléments après dans le compte-rendu, dans notre support avec ces éléments-là, qui permettront d'avoir une vision plus complète du sujet. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jérôme, peut-être, excusez-moi, je ne vous ai pas… Oui, on peut peut-être ajouter, c'est Jérôme Guton, on peut peut-être ajouter qu'on s'efforce, hein, à la fois le ministère de la Transition écologique et l'ANCT, de mettre sur Internet, sur nos sites Internet respectifs, un maximum de documentation la plus accessible possible. Donc, sachez qu'en fait, sur 99% des questions que vous pouvez vous poser, c'est vrai sur le CRTE, c'est vrai sur la transition écologique, mais c'est vrai aussi sur le numérique ou d'autres thématiques qui peuvent vous intéresser. Beaucoup d'informations sont disponibles sur Internet et avec une architecture qui n'est pas forcément toujours simple, mais qui reste accessible. Alors, si personne ne pose la question, je vais peut-être ajouter deux, trois choses, notamment pour répondre aux questions que vous n'osez pas poser. La question que personne n'ose poser, c'est la question des financements. C'est ça, les programmes leaders, depuis toujours, connaissent bien. Le programme leader, c'est à soi seul déjà, au départ, un dispositif qui est financier. Et les groupes d'action locale travaillent avec un outil qui est européen, mais financier. Le CRTE n'est pas un outil financier, mais c'est un outil contractuel qui utilise, j'ai envie de dire, les moyens financiers des autres, ceux de l'État, bien entendu, au premier chef,
et notamment les crédits des services déconcentrés de l'État, ceux d'un certain nombre de ministères, notamment le ministère de la Transition écologique et ses établissements publics, qu'en général les leaders et les GAL connaissent bien, les programmes de l'ADEME, les agences de l'eau, les travaux du CEREMA ou d'autres structures du même genre. On utilise les moyens de l'État, tout confondu, sans exception. Alors, c'est vrai que le plan de relance a donné un formidable coup de fouet à notre démarrage, hein, parce qu'il n'y avait jamais eu autant d'argent dans les services déconcentrés et dans les établissements publics, en tout cas pour ce qui concernait les dossiers prêts à démarrer et de qualité. Mais on utilise aussi les moyens des autres. Donc, comme vous, les moyens de l'Europe. Je pense qu'on ne peut pas se passer aujourd'hui, notamment sur la transition écologique, mais aussi sur le numérique, on ne peut pas se passer des moyens de l'Union européenne. Je pense au FEDER tout particulièrement, mais pas seulement. Et on utilise, bien entendu, dans les tours de table financiers sur chacun des projets portés par les territoires, on n'hésite pas à recourir évidemment aux moyens financiers des régions, voire plus exceptionnellement des départements. Bien sûr, les principaux financiers étant au premier chef les collectivités territoriales qui portent les dossiers, enfin les communes, maîtres d'ouvrage ou les intercommunalités, les regroupements de communes qui défendent, font valoir, ont construit au départ le projet de territoire partagé avec l'État. Donc, je voulais préciser cet aspect-là, parce qu'il est important, l'aspect financement. Il y a certainement en ce moment, moi j'ai été SGAR et je travaillais avec les programmes LEADER il y a déjà 20 ans, il y a probablement un peu d'ingénierie financière qui s'est perdue au passage dans les années qui viennent de s'écouler, avec un partage des compétences un peu complexe entre les différentes collectivités, l'État, l'Europe, et qu'il va falloir essayer de reconstruire si on veut faire feu de tout bois et faire des tours de table avec plusieurs financements possibles, y compris privés. Tout à l'heure, Julien a fait référence au fait que autour de la table d'un contrat de relance et de transition écologique, qui n'est jamais qu'un contrat de cohésion territoriale, autour de la table, on trouve évidemment toujours le président de l'EPCI ou du groupement d'EPCI, mais aussi le représentant de l'État, mais un maximum d'entités différentes. Donc ça, c'est important de le savoir. Ça peut compliquer la gouvernance, et les questions de gouvernance, ça, les GAL connaissent bien. Ça peut compliquer la gouvernance. Ça oblige à des concertations particulièrement importantes, notamment pour ne laisser aucun maire d'une commune, même réputée petite, de côté. Ça aussi, les GAL connaissent bien. Voilà. Mais autour de la table, on peut aussi bien retrouver la région, le département, des établissements publics, y compris départementaux, bien sûr, des associations, enfin des ONGE, par exemple, ou des structures privées, si d'aventure elles portaient un projet qui a des liens avec l'intérêt général. Voilà. Mais il nous faut des questions, Julien et moi, on en a besoin. Sinon, ça veut dire que nos sites Internet sont vraiment très forts. Je ne peux pas le croire. Peut-être que le témoignage de Madame Macle, donc chef de projet du PETR, du Briançonnais, des Écrins, du Quiestrois et du Queyras, si je le prononce bien. Peut-être qu'elle pourrait nous présenter le fonctionnement du CRTE et de son articulation avec LEADER. Peut-être que cela suscitera des questions plus générales après. Bonjour à tous. Caroline Mac, je travaille pour le donc du Briançonnais, des Écrins, du Guillestroy et du Quiestrois. On a cours comme nom, mais en même temps, pour ceux qui connaissent. Le Queyras ou les Écrins, enfin voilà, en termes de massif, ça permet de me localiser notre territoire, donc qui est au
au sud de la, enfin, pardon, région sud d'Azur, donc à son extrême nord, frontalier à l'Italie, un territoire de haute montagne. On peut donc différents programmes, différentes missions. Moi, je suis animatrice donc pour le Grand Briançonnais. Et on a fait un des premiers contrats de transition écologique solidaire nommé à l'époque. Actuellement, donc, un contrat de relance pour la transition écologique. On a un plan climat, on a une étude de configuration pour travailler sur l'écologie industrielle territoriale. Et on vient d'être aussi venu pour un plan avenir montagne. Donc, on a des missions qui sont fortement orientées de manière générale sur la transition écologique. Excusez-moi, Madame Bacle. Oui. Apparemment, il y aurait quelques difficultés de capter et votre micro. Du coup, est-ce que votre connexion est bonne ou sinon peut-être couper la caméra pour avoir plus de bandes passantes? Je ne sais. Moi, je me connecte déjà par un autre réseau. Je pense pas que je coupe. Il y a en ce moment de bons orages, donc ça joue peut-être aussi. Oui. Ah, c'est pas très poli, mais on va favoriser le son. Ça vous, c'est déjà mieux. On peut essayer dans ce sens-là. Et là, je suis avec un autre réseau, donc peut-être que. Est-ce que vous m'entendez bien pour le moment? Peut-être parler un petit peu plus parce que là, du coup, j'ai l'impression que ça saccade encore un petit peu, mais c'est peut-être le changement de réseau, donc. Je rechange de réseau. Ça me dit ça encore, c'est mieux. Je pense qu'on vous entend mieux là. C'est mieux. Alors. Oui. Pardon, excusez-nous. Non, mais c'est moi. Enfin, on maîtrise cette technologie normalement, mais voilà. Du coup, sans repartir depuis le début, je présentais le parti du Grand Briançonnais. Je me permets de mettre dans le chat, au moins à me voir, vous pourrez aller voir quelques images et documents sur notre site. Donc très rapidement. Je vous disais qu'on a un nombre de programmes plutôt en lien avec la transition écologique de notre territoire. Et au productif et la production du CRE, et une question que je pourrais donc du coup poser, même si elle a déjà été introduite. C'est vrai que côté CRE, il y a pas de financement. Des projets qui vont être créés et qui nécessitent de subventions, d'aide pour pouvoir se développer. Le lien en effet avec les différents financeurs cités qui sont principalement l'État, mais un comparatif. Programme leader, c'est que voilà, au-delà de l'animation des projets que l'on peut faire émerger, on a le financement qui est en bonne partie déjà fléché, qui peut être attribué un peu plus efficacement et soutenir la chance que les projets puissent avoir lieu. C'est un rapport comparatif, et ce qui se fait que du coup, au sein de nous du Grand Briançonnais, on a été amené à essayer de voir si des projets soutenus dans le cadre du CRE peuvent être financés via le programme leader.
Voilà, donc c'est vrai que leader ou plus généralement des fonds européens, c'est des choses où c'est intéressant de tout, puisqu'il y a des objectifs qui sont communs entre les différents programmes. Et du coup, c'est une porte ouverte à aller chercher des fonds européens, bon, en rappelant que les fonds européens doivent toujours être cofinancés pour une grande partie. Donc, voilà, sont bienvenus aussi les fonds, les cofinancements nationaux. Ce que je peux vous dire de plus, voilà, enfin, en tout cas, il y a quelques projets sur lesquels on a attendu vers une articulation. Et fort de cette expérience, on est en train de candidater donc au prochain programme Leader 2023-2027. Et on a encore plus envie d'articuler nos différents programmes pour avoir une animation et une maîtrise de nos dispositifs et des financements la plus articulée possible. Voilà, donc... ça excite aussi, mais encore une fois, toutes nos démarches, nos missions sont en réponse à notre projet de territoire. Et c'est vrai que voilà, dans la définition de la future stratégie leader, on va sûrement avoir un axe justement encore plus marqué au-delà de simples indicateurs de sélection et de résultats en lien avec la transition écologique. Voilà, petite autre chose que je m'étais notée. Les projets RTE sont quand même plutôt à destinée de projets portés par des collectivités. Que dans Leader, on peut. Vous m'entendez toujours? Je suis vraiment désolée. Pardon, excusez-moi. Ça saute un peu, mais on vous entend. Ouais. Oui, ouais, puis moi, je vous entendais beaucoup. Voilà, une petite autre chose que je pouvais dire aussi, c'est pour aux bénéficiaires de ces programmes. Sous Leader, on arrive à aller vers des soutiens de projets autour d'entreprises, d'associations, de collectivités, enfin tout. Tout bénéficiaire d'autres juridiques voilà, peut-être dans des programmes CRTE, en tout cas, nous, pour notre part, on a mobilisé les collectivités, les communes, les comités de communes, les syndicats, mais les associations, mais voilà, plutôt des bénéficiaires publics que privés. Je peux m'arrêter là. Je ne sais pas si vous voulez des exemples précis de projets, des chiffres un peu plus et encore, on peut dire ce qu'on veut avec des chiffres des fois, mais merci beaucoup, Madame Macle, pour ces témoignages malgré les difficultés techniques. Comme quoi, il y a parfois des limites au numérique. Mais peut-être y a-t-il des questions parmi les participants ? Que ce soit sur la présentation de M. Mekdoud, de l'intervention de M. Guton ou du témoignage de Mme Macle. De toute façon, en cas de questions, vous pouvez également revenir vers nous, donc à Leader France, et on essaiera de trouver les réponses à vos questions dans tous les cas. Mais si tout le monde a réponse à ces questions, nous pouvons peut-être passer du coup à la deuxième grande thématique de ce webinaire, qui sont donc l'axe numérique et les dispositifs de l'ANCT qui lui sont dédiés, puisque, comme dit en introduction, les ruralités vont devoir faire face à la grande transition digitale qui s'annonce.
qui s'annonce. Et donc, nous avons un témoignage de M. Laget du programme Nouveaux lieux et nouveaux liens. Bien. Écoutez, merci de m'accueillir. Je suis très heureux de participer à cet échange pour différentes raisons que vous pourrez découvrir. Donc, je vous propose de faire un petit exposé très dense voilà, sur 20 minutes pour qu'ensuite il y ait le temps des échanges. Ça vous convient? Alors, tout d'abord, je ne suis pas aujourd'hui dans la direction générale déléguée au numérique au niveau de la direction elle-même, mais plutôt sur un programme qui s'appelle Nouveaux lieux, nouveaux liens. Afin de répondre à vos attentes, je vais quand même vous indiquer un petit peu ce qui se passe globalement sur les questions du numérique et comment notre direction aborde ces sujets. Et on va faire un petit peu d'historique aussi pour voir comment le gouvernement s'est intéressé au sujet du numérique sur les territoires. Mais il est clair que je ne pourrais pas faire autre chose que de vous renvoyer vers les services concernés pour avoir une information complètement actualisée et détaillée, notamment en termes de services, de réseaux de contact ou autre. Moi, je suis au départ un économiste qui a commencé à s'intéresser à la place de l'information sous toutes ses formes, d'une information circulante, que ce soit de manière journalistique, scientifique, culturelle, et de la place de l'information dans les process de développement. J'étais à la fois agent de développement et on avait monté un certain nombre d'opérations qui ont été reprises par les GAL de ce territoire et Thésard. Et donc, j'ai essayé de voir comment l'information pouvait jouer un rôle nouveau par rapport à ce qui s'était passé autour de la matière et de l'énergie pendant plusieurs siècles. Ça m'a conduit à essayer de creuser le sujet. Donc, j'ai été un petit peu responsable de sociétés qui faisaient des prestations de services dans le domaine du numérique. On a monté des sites Internet, mais surtout des outils de travail collaboratif. On a formé pas mal de gens, ce qui m'a permis de candidater à un poste de chargé de mission en SGAR. Je suis resté plusieurs années en SGAR et on a pu commencer de développer à ce moment-là les prémices du haut débit à l'époque, ce n'était pas encore le très haut débit, et puis surtout de voir comment on pouvait développer des services numériques sur les différents territoires. Et on a mobilisé pas mal de FEADER et pas mal de FEDER donc entre 2004 et 2009 sur la région Languedoc-Roussillon, donc avant la loi NOTRe. Je suis ensuite rentré à la DATAR, donc la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale. Et c'était en 2009, exactement au moment où la question du numérique est vraiment montée en puissance au sein des services de l'État. Plusieurs directions à Bercy, chez nous sur les territoires ou dans le domaine de l'agriculture avaient déjà fait l'objet de premières études. Il y avait une certaine controverse autour du montant, du niveau de débit qu'il fallait pour équiper les territoires français. Et ce qui a fait évoluer les choses, c'est au début du lancement du grand emprunt, du programme des investissements d'avenir, c'est le retour de tous les préfets qui, fin 2010, ont dit à l'issue des assises de la ruralité, ont dit au gouvernement, écoutez, oui, c'est vrai qu'il y a des difficultés avec les trésoreries générales qui ferment, avec les écoles, avec des classes qui ferment, avec la poste qu'il faut maintenir. Mais enfin, ce qu'on entend de plus souvent dans le domaine de la plainte, c'est l'accès à la téléphonie mobile et l'accès à Internet et au débit. La demande du ministre de l'Aménagement du territoire d'alors était d'avoir 1 milliard d'euros pour organiser des réponses face à ces sujets. Eh bien, on lui en a donné 2. J'avoue que dans l'histoire des négociations budgétaires, j'ai rarement vu les choses se passer ainsi. Et ces 2 milliards d'euros du programme des investissements d'avenir ont joué un effet de levier très important, puisque en apportant dans la durée d'autres ressources du budget de l'État, on est arrivé à 3,3 milliards d'euros du budget de l'État. Les collectivités territoriales ont ajouté à peu près 10 milliards d'euros, mais
au travers de sociétés d'investissement, ce qui fait qu'elles ont récupéré parfois une grande partie de cet investissement qui a pu être rentabilisé. L'Europe a cofinancé à hauteur de 600 millions d'euros et on a donc lancé en 2013 le plan France Très Haut Débit. Enfin, il est passé par deux ou trois phases avec des dénominations différentes, mais ce plan France Très Haut Débit a fait l'objet de à peu près 35 milliards d'euros d'investissement, y compris ceux des opérateurs. Et il n'est pas terminé. Donc, ça veut dire qu'il y a, notamment dans certaines régions ou sur certains départements, soit très ruraux, soit qui ont engagé leurs efforts dans ce domaine-là de façon assez tardive. Donc, sur certains départements, il est clair qu'on n'a pas la connexion qu'on attend, qu'on voudrait avoir, qui est utile pour le développement économique des entreprises, pour le développement des services en ligne de l'administration. Mais c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Et la spécificité de la France, c'est d'être passé d'un réseau cuivre avec la technologie ADSL 2+, qu'on a poussé au maximum. Au bout de 3,5 km, elle s'épuise. Donc, la France a décidé de passer à un réseau fibre optique, qui est la technologie la plus puissante, alors que d'autres pays sont restés sur, par exemple, du câble coaxial. Ces développements, je pense, je ne serai pas trop long là-dessus, permettent de voir l'avenir de façon un peu plus satisfaisante, sous réserve qu'on ait vraiment une démarche qualitative à tous les niveaux. Quand je vois les difficultés que notre collègue de Briançon tout à l'heure avait pour pouvoir être correctement entendu et vu, et je vois que ça se reproduit assez souvent, je sais qu'on a un réseau qui a été upgradé, mais derrière, il y a un certain nombre d'applications ou de points d'étranglement ou autres qui font qu'on n'a pas un service d'aussi bonne qualité que celui qu'on espère. Donc voilà, ça fait partie des choses que mes collègues de la direction chargée du plan France Très Haut Débit étudient. Sur la téléphonie mobile, on a à peu près la même problématique, si ce n'est que le marché était un petit peu inversé, puisque l'importante souscription d'abonnement de la part des ménages et des entreprises sur des services de téléphonie mobile en 2G, en 3G, en 4G, maintenant en 5G, eh bien, ces revenus pour les opérateurs leur permettaient de un peu moins dépendre de la puissance publique. Ils n'avaient pas besoin de subventions, comme celle que je viens d'indiquer pour la fibre optique. Et même, ils étaient en capacité de souscrire pour utiliser des licences d'exploitation des réseaux hertziens, donc pour les différentes longueurs d'onde requises, ils étaient en capacité d'acquérir ces fréquences qui font partie du domaine public. Quand on leur a demandé d'aller équiper tout le territoire français, sauf évidemment le sommet des montagnes, là où il n'y a aucun habitant, mais qu'au moins chaque commune de France puisse être couverte, ils ont dit OK, mais là, c'est une impasse budgétaire assez importante. Donc, on a pu négocier le tarif des redevances de la dernière période d'utilisation des fréquences de telle manière qu'ils puissent accélérer le déploiement de la 4G. Donc, voilà, aujourd'hui, on a sur la France, sur certains territoires encore en demi-teinte, et d'ailleurs parfois dans les pourtours des grandes villes, parce qu'au terme de l'accord qui a été passé avec les opérateurs, c'est eux-mêmes qui devaient équiper ces périphéries des grandes villes, eh bien, ils n'ont pas avancé aussi vite que dans certains départements ruraux où c'est la puissance publique qui a pris la maîtrise d'ouvrage des opérations, puisque c'est ce qui était organisé conformément au cadre européen des aides d'État. On ne pouvait mobiliser de l'argent public que là où il n'y avait pas d'investissement privé. Voilà pour ce sujet de la couverture très haut débit. Alors, évidemment, c'est un petit peu à la hache, hein, mais c'est important de comprendre que sans accès aux infrastructures de communication électronique à très haut débit, il n'y a pas de service numérique, il n'y a pas d'égalité numérique d'accès aux services, il n'y a pas de potentiel de déploiement de nouvelles spéculations artisanales, industrielles, culturelles. Et donc, c'était la condition sine qua non de déploiement du numérique au niveau national. Dans notre direction, on travaille aussi sur d'autres sujets que je vais rapidement vous brosser. Premièrement, le déploiement de services numériques accessibles à toutes les collectivités qui sont intéressées. Vous avez dû dire avec Julien tout à l'heure que vous avez dû voir que notre rôle, c'est d'apporter des prestations aux collectivités territoriales et aux projets qu'elles portent. Donc, pas obligatoirement aux acteurs territoriaux, mais vraiment quand on est en
en accord avec les collectivités. Eh bien, ces services numériques, ils sont parfois très coûteux à construire, d'abord parce qu'il s'agit de métiers qui sont assez spécialisés, ensuite parce qu'on a des obligations réglementaires assez fortes, aussi bien sur la protection des données, et depuis 2018, vous savez que le règlement général de protection des données, qui est issu d'une directive européenne appliquée dans chacun des États membres, ce règlement général de protection des données introduit un certain nombre de contraintes et de complexités, et de la même façon, les actions qu'on doit conduire en matière de lutte pour la cybersécurité sont relativement coûteuses. Ça signifie que, alors qu'on sait que la médiane de la commune, enfin de la population des communes françaises, c'est à peu près 500 habitants, et encore après pas mal de regroupements, voilà, la moitié des communes françaises fait moins de 500 habitants, et il est clair que ces communes-là n'ont pas les ressources en ingénierie suffisantes pour pouvoir développer des services numériques. Alors, elles le font de plus en plus avec les intercommunalités, mais au sein de notre laboratoire des territoires, on a, des services numériques sur les territoires, on a développé une centaine de propositions qui tournent autour de la gestion de la relation aux citoyens, de la régulation de la demande électrique, de la gestion des autorisations, par exemple, d'accès à la cantine, à la piscine, au bus, à la bibliothèque. Donc, tout autant de sujets sur lesquels on a vraiment besoin de ressources électroniques. Et ça, c'est un service qui travaille avec des entrepreneurs d'intérêt général, donc des informaticiens qui ne sont pas des fonctionnaires, qui ne sont pas des gens recrutés sur des contrats habituels. Ce sont des prestataires de services qui vont travailler sur du code, sur de l'algorithme, sur de la construction de métadonnées, de bases de données et de services en ligne. Probablement que c'est le programme de notre agence qui est appelé à beaucoup se développer compte tenu de l'étendue des besoins. On a un autre programme qui concerne la médiation numérique et qui concerne l'accès aux services numériques, ou plutôt l'accompagnement des usagers à la maîtrise des ressources numériques. Et c'est donc le programme, vous connaissez probablement, des conseillers numériques France Service. Vous savez qu'on a mis en place des espaces France Service pour offrir un point d'accès à tous les services publics et au public en France. Eh bien, les agents d'accueil, les personnels de ces structures, mais aussi un certain nombre de personnels dans des associations classiques ou même dans des entreprises qui sont réparties sur le territoire, puisque toutes les catégories de maîtres d'ouvrage étaient éligibles à ce programme. Eh bien, donc partout, on a des conseillers numériques France Service. Il y en a 4000 qui ont été soutenus par le gouvernement dans le cadre de ce programme qui a été lancé juste au moment de la pandémie. Et d'ailleurs, on a bien compris que quand on n'a plus accès aux services de façon physique et que Pôle emploi est fermé, la CAF est fermée, etc., eh bien, si on n'a pas non plus accès à la ressource en ligne, eh bien, c'est assez dramatique. À titre d'information, on avait ouvert un numéro vert, un numéro d'urgence, Solidarité numérique, et il y a eu des centaines de milliers d'appels, et 2000 bénévoles se sont mobilisés pour pouvoir répondre à ces appels en ligne pendant la période du confinement. On a un autre programme qui est assez intéressant et je pense qu'il vous faut connaître parce que c'est des gens qui font un petit peu le tour de France du numérique, c'est Numérique en commun, NEC. Depuis 3 ans maintenant, il y a des rencontres nationales comme des rencontres régionales qui sont organisées à l'initiative des acteurs locaux et qui permettent à tous les professionnels du numérique qui ont des métiers et des enjeux importants à gérer dans la relation au territoire, donc qui permettent à ces acteurs-là de se réunir, de discuter, de savoir quels sont les éléments qui sont les plus intéressants à partager. Un petit mot de l'économiste que je suis à ce propos. S'il s'agit d'aller de plus en plus vers la proximité, parce que c'est une attente des usagers, des citoyens, des entreprises, ce qu'on fait avec les tiers-lieux dont je vais vous parler juste ensuite, il faut toujours continuer de réaliser des économies d'échelle. La proximité, elle produit une économie qui aujourd'hui est plutôt collective,
On connaît l'interlocuteur, on répond à une demande locale, elle n'est pas toujours solvable, donc il y a besoin d'argent public. Il faut continuer de faire des économies d'échelle, donc de pouvoir construire des outils aussi partagés que possible. Et le numérique se prête à ça parce qu'on peut très facilement échanger ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de l'algorithme, de la donnée, de la métadonnée, de la méthode, du retour d'expérience, de l'expertise, des statuts juridiques. Voilà, tout ça constitue le patrimoine des communs. Il est facile de développer dans le monde du numérique compte tenu de la fluidité des échanges et du faible coût de ces échanges en ligne. Enfin, et c'est là, je vais peut-être utiliser, si vous voulez bien, le partage d'écran, si vous me permettez de l'activer. Je viens un peu plus précisément sur ce programme intitulé « Nouveaux lieux, nouveaux liens ». Donc, normalement, je vous ai nommé co-animateur, donc normalement, vous pouvez parfait, partager votre écran. Voilà, alors, normalement, vous avez bien cette présentation où on voit une carte de France, c'est bien ça? Oui. Parfait, alors il faudrait que j'arrive à la mettre en plein écran. Pardon, je mets un peu plus de temps que prévu. Voilà, c'est un peu plus visible. Alors ça, oui, j'aurais voulu vous le montrer tout à l'heure, je suis bête, j'ai été trop vite. Voici la carte de France qu'on avait faite, vous voyez, avec la DATAR. Je fais un petit retour en arrière, hein, je vous présente mes excuses. Les territoires que le marché aurait couverts en termes de rentabilité avec la fibre optique s'il n'avait pas été aidé. Donc, vous voyez, c'est à peu près 80% de la population et 10% du territoire qui aurait été couvert. D'où l'intérêt d'avoir eu un programme public sur ce sujet. Alors, je change de document. Pardon. Voilà. Est-ce que vous voyez bien la diapo du programme Nouveaux lieux, nouveaux liens? Parfait. Alors, assez rapidement, on a assez récemment développé une action qui venait en soutien au tiers-lieu intitulée « Manufacture de proximité ». Vous allez voir lundi ou mardi, je pense, les derniers résultats, les 62 lauréats qui ont été identifiés dans la dernière vague. Au total, on a soutenu 100 unités qui avaient pour vocation d'apporter des services aux entreprises sur un territoire donné, avec toujours ce même credo, partager des ressources coûteuses. Et donc là, ce sont des imprimantes 3D, des emboutisseuses, des dégauchisseuses, des découpeuses laser ou pas, etc. Mais ce sont aussi éventuellement des véhicules spécialisés, des machines-outils, des machines agricoles dans tel ou tel secteur. Et c'est surtout des savoir-faire, voire des ressources d'expertise ou des brevets que ces manufactures de proximité viennent mettre à disposition d'un collectif d'entreprises. On est bien donc dans une logique de création de communs et d'investissement partagé. Et on considère que dans bien des territoires qui ont une culture industrieuse ancienne, mais sur lesquels les emplois industriels sont partis, on a là une possibilité de réanimer. Le terme est peut-être un petit peu fort parce que, quoique dans certains cas, certains territoires sont sous assistance respiratoire, hein, et on a signé des contrats particuliers entre le ministère chargé de l'aménagement du territoire et des intercommunalités ou des départements qui se sont trouvés en très grande difficulté. Donc là, on a une démarche qui permet aux entreprises de se saisir collectivement d'un enjeu, qui permet de recréer de l'emploi, de retrouver des savoir-faire anciens, de éventuellement rapatrier des investissements qui avaient été effectués à l'étranger pour redynamiser des filières. Cette opération fait suite à un précédent appel à manifestation d'intérêt qu'on avait géré, intitulé Fabriques de territoire. Ces fabriques de territoire, elles sont au nombre de 300.
et elles ont permis, avec des subventions d'amorçage de 150 000 euros réparties sur 3 ans, c'était un peu supérieur pour les manufactures de proximité, c'est normal parce qu'il y avait des coûts d'équipement supérieurs aussi. Donc, nous avons choisi parmi les à peu près 2500 tiers-lieux qui sont sur le territoire, qui ont été identifiés, et parmi les 1640 candidatures que nous a adressées, nous avons identifié 300, on va dire, méta-tiers-lieux ou tiers-lieux qui étaient en capacité de fournir des services aux autres unités du territoire. Je surveille l'horaire en même temps, j'aurai fini dans moins de 5 minutes. Donc, ces méta-tiers-lieux viennent apporter des ressources logistiques, techniques, pédagogiques, viennent fournir des services en expertise, en support juridique aussi. Et on a pu faire en sorte qu'ils soient développés dans tous les départements français. Vous avez ici la couverture territoriale. On voit toujours un tout petit peu ce qu'on a appelé la diagonale du vide, mais elle est en partie gommée parce que il n'y a aucun département qui soit vierge de ce type d'équipement. Dans 17, sur 17 d'entre eux, il n'y en a qu'une, mais partout et ailleurs, il y en a au moins deux. Alors, on avait un objectif, vous le voyez, un double objectif de couverture et de cohésion géographique. Le premier était plutôt rural. Donc, en dehors des grands centres urbains, 150 fabriques, c'est ce qu'on voit et qui est correctement réparti. Et puis, sur certains départements, la couleur est plus foncée, c'est-à-dire qu'il y a un nombre plus élevé de fabriques, parce qu'on ciblait aussi les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et donc, à ce titre, bien entendu, sur évidemment le Nord-Pas-de-Calais, sur la Seine-Saint-Denis, sur le Rhône, sur l'Hérault ou les Bouches-du-Rhône, et bien on a un nombre plus important de fabriques parce qu'on a un nombre plus important de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais globalement, on est allé les territoires les plus fragiles, donc la montagne, l'outre-mer, les territoires les moins denses. Ce mouvement de soutien aux tiers-lieux, sur lequel on a pu repérer des caractéristiques importantes au nombre de 3. Enfin, il y en a plus, mais j'en cite 3 qui sont vraiment à retenir. Premièrement, il y a toujours une communauté d'usagers qui s'investit sur une démarche assez souvent collective. Bien souvent, on est dans les domaines des transitions avec les problèmes de mobilité, d'alimentation, d'accès au numérique, j'en ai parlé, voire sur des sujets qui sont assez peu identifiés au démarrage et puis finalement qui ont beaucoup de succès. Je veux par exemple parler de l'accès aux droits culturels avec de plus en plus des acteurs qui s'impliquent dans le repérage de besoins, la construction de programmes d'animation, voire la réalisation de spectacles ou d'expositions en mode beaucoup plus horizontal, qui associe les acteurs locaux et la population, et pas en mode commande subventionnée par la puissance publique pour avoir une belle exposition. Alors, ça, c'est un premier point, la communauté d'usagers autour du tiers-lieu. Un deuxième point qui est important, c'est l'ouverture de la gouvernance. Cette communauté, elle partage un petit peu de façon variable selon le territoire, mais elle partage la responsabilité du dessin qui est formalisé pour la suite des opérations. Et donc, on a aussi bien des bénévoles ou des usagers qui sont dans des conseils d'administration. On a des gens qui mettent à disposition des micro-budgets de 300, 1000, 1500 euros, mais utilisables immédiatement sans qu'il y ait besoin d'une analyse, d'une étude préalable, d'un diagnostic de territoire, d'un consensus au sein de la structure qui gère tout ça, d'une décision du conseil d'administration. Voilà, tout ça, ça peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et bien là, quand on a des micro-budgets qui permettent de mettre en œuvre des micro-projets, eh bien, on a des acteurs qui s'impliquent beaucoup plus, et notamment des jeunes, un peu moins rodés à cet exercice démocratique, parfois un peu lourd. Voilà la deuxième caractéristique. Et la troisième, c'est celle qui, pour les tiers-lieux, consiste à se positionner sur un modèle économique hybride. On a à la fois dans les tiers-lieux, vous aurez tout ça dans les documents que je vais vous adresser, on a à la fois
des gens qui font de la prestation de services, ne serait-ce que de la petite restauration, des programmes culturels, de la formation, de la vente d'objets, souvent du recyclage. Je n'ai pas parlé de tout ce qui est recyclerie, ressourcerie, hypercafé, mais voilà des chiffres d'affaires possibles. Et puis, le tiers-lieu, par ses actions en termes de solidarité, d'éducation ou d'innovation, eh bien, il remplit des fonctions un peu plus collectives et il répond à une demande qui n'est pas solvable, ce qui justifie que la collectivité et l'État ou l'Europe le soutiennent. Voilà, donc, communauté d'usagers, ouvverture de la gouvernance, caractère hybride du modèle économique. Je vais juste attirer votre attention sur un dernier point. Nous avons identifié qu'en Europe, et en France aussi, parce que le programme Leader, comme le programme FEDER, a permis de soutenir un certain nombre de projets portés par des tiers-lieux. Mais donc, on a remarqué que sur tous les pays européens et même ailleurs, en tout cas au moins sur l'espace de la francophonie ou celui de l'OCDE, eh bien, il y a des démarches assez similaires qui sont mises en place. Elles ont été repérées, par exemple, sur les Fab Labs. C'est une composante importante de ces tiers-lieux. Et vous le savez probablement, il y a une charte internationale des Fab Labs qui est partie de Boston. Ces Fab Labs sont animés par des makers, un mouvement aujourd'hui assez puissant, plein d'initiatives. Ça a été les premiers à fabriquer des visières, des masques, des blouses lorsque la pandémie s'est déclarée. Le tandem État chargé, on va dire, État-providence et entreprise concurrentielle, il n'a pu être opérationnel vraiment véritablement que 3 mois après. Au départ, c'est les Fab Labs qui ont produit les premières ressources pour lutter contre la pandémie. Ensuite, on a des friches culturelles un peu partout en Europe, des friches industrielles qui ont été réappropriées par des acteurs culturels avec eh bien, tout ce monde-là, c'est nouveau, du street art, mais aussi du rap, avec des grands spectacles. Ça, c'est une deuxième catégorie qui était assez connue. Et puis, il y a tout le monde du coworking qui s'est aussi pas mal développé avec soit du télétravail pour des entreprises, soit du coworking pour des indépendants. Nous avons identifié la possibilité d'organiser une rencontre internationale des tiers-lieux. Elle se déroulera en mars 2023. Et je pense qu'avec le comité d'animation qui aujourd'hui rassemble 30 acteurs du monde des territoires de l'Europe, eh bien, on va pouvoir monter une journée qui sera spécifiquement orientée sur 3 thématiques. La culture, j'en ai parlé. La réorganisation locale de la production sur des besoins territoriaux, j'en ai parlé. La citoyenneté, j'en ai parlé. Et puis, on va essayer de produire 2 types de livrables. D'abord, des histoires, des scénarios, des retours d'expérience venant de tandem entre une autorité locale et un acteur local. Et puis, la valorisation de toutes les recherches, études et analyses qui ont été conduites depuis une dizaine d'années autour des tiers-lieux et qui permettront d'un peu mieux comprendre quels sont les rouages de cette transformation très active dans les territoires. Voilà pour une présentation aussi synthétique que possible des activités que nous avons dans la Direction générale déléguée au numérique. Merci beaucoup pour cette présentation très concise. Y aurait-il des questions, des interrogations, des remarques? N'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main via l'onglet « Réaction ». Et je ferai juste une petite remarque en disant que nous avons eu la chance de décerner un prix leader pour l'innovation et l'expérimentation à un tiers-lieu qui a obtenu la labellisation Fabrique de territoire, qui est donc un tiers-lieu culinaire s'appelant Célio Langeau au sein du GAL Loire-Angers et Laillon. Voilà. Écoutez, j'en suis très heureux. Et, bon, en attendant des questions, j'espère qu'il y en aura quelques-unes. Enfin, bon, ou alors j'ai été trop expéditif ou trop clair. Mais moi, j'étais très intéressé pour répondre à votre invitation parce que
Il me semble qu'il y a un certain nombre de synergies qui peuvent être envisagées, notamment dans la prochaine période de programmation. Et il est clair que vous aurez toujours de notre part une écoute assez attentive sur les projets de tiers-lieux qui pourraient être élaborés par des acteurs locaux. Alors, bien évidemment, vos premiers interlocuteurs sont dans les préfectures. Il s'agit des chargés de mission numérique auprès des préfets de région et puis aussi des réseaux régionaux dont nous avons soutenu la création. Donc, ça n'est pas très utile de venir taper directement à notre porte, ou si vous le faites, on vous réorientera avec plaisir vers ces interlocuteurs. Mais voilà, on sera en capacité, je pense, de vous fournir un certain nombre d'éléments de soutien technique, d'appui, d'analyse, de retour d'expérience qui vous permettraient de soutenir des initiatives locales avec un référentiel assez dense aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Donc, visiblement, pas de questions. Tout est très clair. Mais au besoin, nous tiendrons à disposition après ce webinaire. Mais si pas de questions, je propose que nous passions du coup au troisième et au dernier temps, et pas des moindres, de ce séminaire, donc dédié à la présentation donc, du dispositif du volontariat territorial en administration, donc avec une intervention de Madame Andriot, chef de projet à la mission ruralité de l'ANCT. Merci Bonjour. Beaucoup. Au revoir. Bonjour à tous. Je veux bien la main aussi pour si je peux, voilà, si vous pouvez activer. Donc, je vais vous parler du volontariat territorial en administration, qui est une des mesures de l'agenda rural. Alors, peut-être un petit mot sur cet agenda rural, donc qui est né en 2000. J'ai deux choses à la fois. Voilà, agenda rural qui est né en 2019, octobre 2019, suite à la crise des Gilets jaunes, et qui donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais l'idée, c'était de mieux prendre en compte la ruralité, les territoires ruraux dans les politiques publiques. L'idée, ça n'a pas été de faire un dispositif pour les territoires ruraux, mais de revisiter par une mission d'élus ruraux l'ensemble des politiques publiques, de voir un peu quelles étaient, en quoi un certain nombre de politiques publiques semblaient ou n'étaient pas accessibles aux territoires ruraux. Et donc, ça a donné lieu à tout un ensemble de mesures dans beaucoup de domaines, répartis en 5 thématiques, hein, améliorer le quotidien des habitants des territoires ruraux, favoriser la transition écologique dans ces territoires, améliorer la place et la reconnaissance des élus ruraux, la reconnaissance de la ruralité. Bon, bref, donc 181 mesures, dont une portait sur la mise en place de volontaires territoriaux en administration. Alors, c'est de ça dont je vais parler en quelques minutes pour vous dire donc l'origine et le principe du dispositif. En fait, c'est d'aider les collectivités rurales, on reviendra sur ce qu'on appelle collectivités rurales, qu'elles soient dotées de plus d'ingénierie. Ça a été mis en place grâce notamment au financement du plan de relance, et un des objectifs, c'était que ces collectivités rurales aient accès au financement du plan de relance, et donc d'augmenter leurs compétences en ingénierie, puisqu'on sait bien qu'une des grosses préoccupations des collectivités rurales, c'est le manque d'ingénierie et donc la difficulté d'avoir accès aux aides disponibles. Mais il y avait un autre objectif de ce dispositif, c'est aussi de mettre le pied à l'étrier de jeunes diplômés dans des territoires ruraux, dans des collectivités rurales, pour leur donner envie de passer des concours ou de travailler pour ces collectivités. Et on verra que c'est d'ailleurs relativement le cas, puisqu'on a maintenant le dispositif à un an, et que les premières missions, les premiers VTA arrivent à la fin de leur mission, et qu'un certain nombre d'entre eux, on le voit, restent et sont embauchés dans des collectivités. Donc le principe, c'est qu'on donne une aide de 15 000 euros à une collectivité qui embauche un jeune qui a un diplôme d'au moins Bac plus 2, qui a entre 18 et 30 ans, c'est les seules conditions pour qu'il réalise une mission d'ingénierie ou de développement. J'insiste sur réalisation d'une mission d'ingénierie ou de développement, il ne faut pas que ce soit juste le financement du poste de secrétaire de mairie ou d'une mission courante. C'est vraiment fait pour renforcer des capacités en ingénierie de développement de la collectivité. Donc voilà, objectif appui aux collectivités, mais aussi ça fait partie du dispositif Un jeune, une solution, donc découverte de l'écosystème territorial rural pour ces jeunes. Alors on en est où? On a
Actuellement, il y a 800 offres qui ont déjà été déposées et 420 qui sont pourvues et donc 400 qui sont à la recherche de leurs candidats. Donc, il y a encore de la disponibilité budgétaire puisqu'on a à peu près la disponibilité budgétaire pour 800 offres jusqu'à fin 2022. Donc, il ne faut pas du tout hésiter à postuler. Il y a encore de la place pour recruter un VTA. Donc, j'ai un peu dit donc, des exemples de missions qui portent sur l'ingénierie et le développement. Ça peut être de l'aide à la préparation de dossiers de subvention, de l'accompagnement au projet de territoire, du montage de projets, du suivi, par exemple, pour des équipes municipales qui sont arrivées en 2020, du suivi de l'ensemble des projets ou des investissements. On a parlé des CRTE juste avant. On a un nombre certain de BTA qui sont recrutés pour animer, mettre en place, suivre les contrats de relance et de transition écologique. On a aussi des missions plus thématiques. On vient de parler des tiers-lieux ou du numérique. On a un certain nombre, une cinquantaine sur les 400 de volontaires territoriaux. C'est 80 environ BTA qui sont dédiés à des missions CRTE. Mais une cinquantaine sont dédiés soit à de l'animation de tiers-lieux ou appui au numérique, médiateur numérique, conseiller numérique dans les collectivités. Mais on a aussi des profils appui au chef de projet PVD. Ce n'est pas le chef de projet PVD, c'est appui au chef de projet PVD, mise en place de projets alimentaires territoriaux, beaucoup de projets sur la transition écologique, sur la mobilité aussi, des animateurs de microfolie, quelques VTA sur, qui animent le dispositif territoire zéro chômeur. Enfin voilà. Donc, il y a une grande, grande diversité de missions. Alors, j'ai dit que c'est un dispositif à l'intention des collectivités rurales. Ça n'est pas forcément que pour les communes, mais les communes sont éligibles à partir du moment où elles sont dans la nouvelle… Ce n'est pas selon la définition des ZRR. On est passé à une autre logique de définition de la ruralité, hein, selon une nouvelle définition de l'INSEE qui date de 2020. Donc, ce sont des collectivités qui sont de densité 3 ou 4, c'est-à-dire faible ou très faible. On trouve cette classification sur le site de l'INSEE, sinon nous, on renseigne pour savoir si une collectivité elle est éligible ou elle n'est pas éligible. Donc, ce n'est pas juste une question de nombre, il ne faut pas être juste moins de 3500 habitants, moins de 2000 habitants, ce n'est pas comme ça que ça se caractérise, mais c'est bien par rapport à la densité. Les interco qui sont dites rurales sont également éligibles, donc on a pas mal, on a moitié-moitié, à moitié de VTA environ dans des communes et moitié dans des EPCI. Les PETR sont éligibles. On a quelques VTA dans des GAL leaders également, au service de leaders ou au service de la recherche de fonds européens. Élise est d'ailleurs elle-même volontaire territoriale en administration. On peut aussi avoir des volontaires territoriaux pour des associations d'élus. Des AMRF, des AMF, dans certains départements ont recruté un volontaire territorial en administration. Donc, vous voyez, le panel est finalement quand même assez large, mais il faut que ça serve d'une manière ou d'une autre les collectivités. Concrètement, un petit peu plus concrètement, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe par l'intermédiaire d'une plateforme dont vous voyez un petit peu le design là à l'écran. Cette plateforme est le lieu de rencontre entre les collectivités qui déposent une offre et les candidats qui peuvent déposer leur candidature. Le process est le suivant. Vous nous envoyez à l'adresse qu'on réaffichera après ou que je mettrai dans le chat vta@anct.gouv.fr une proposition d'offre ou des questions auxquelles on répond selon un modèle d'offre qu'on peut fournir. Ensuite, lorsque cette offre est publiée, la collectivité choisit son candidat et lorsqu'elle a trouvé son candidat, elle informe la préfecture et nous. Et à ce moment-là, si le candidat a bien entre 18 et 30 ans et un diplôme au moins Bac plus 2, c'est les deux seules conditions. L'aide de 15 000 euros est octroyée dans un délai assez rapide. Nous, on demande à la DGCL de déléguer les crédits à la préfecture de région. Et la préfecture retransmet à la collectivité. C'est assez simple, il faut juste fournir une charte d'engagement, un modèle de demande d'aide, le CV, le contrat de recrutement. Et il faut quand même que la collectivité prenne une délibération actant du fait qu'il y a la volonté par l'exécutif de recruter ce jeune volontaire. Donc, les formalités sont assez simples. Voilà, je voulais dire une autre chose qui m'échappe, mais voilà. Oui, ce que je veux dire et ce sur quoi j'insiste,
c'est que le choix du candidat, il appartient à la collectivité et uniquement à la collectivité. On ne se mêle pas de dire à la collectivité, nous, on trouve que ce profil serait mieux ou on ne valide pas parce qu'on trouve que le profil que vous choisissez n'est pas bien. Pas du tout. C'est vraiment, nous, on délivre juste l'aide de 15 000 euros et il faut être sur une mission éligible. Donc, au moment où on publie l'offre, on regarde si la mission est éligible, que le candidat soit bien éligible aux deux conditions que j'ai dit. Et voilà, c'est les seuls verrous qui peuvent empêcher de rendre éligible une collectivité à un VTA. Mais on ne se mêle pas du tout du recrutement. Ce n'est pas non plus un dispositif juridique, hein. C'est bien juste un dispositif d'aide budgétaire. Donc, le contrat qu'on préconise, c'est le contrat de projet. Voilà, selon le mode de décret 172 de 2020, si je me rappelle bien, en fait, c'est le contrat adapté pour une mission à durée déterminée dans la fonction publique, mais ce n'est pas une obligation que ce soit ce contrat-là. On n'a pas créé de contrat juridique type spécifique pour les volontaires territoriaux en administration. Dernier point avant de laisser place à vos éventuelles questions, on essaie quand même de proposer un minimum d'accompagnement. Alors, à notre niveau, on organise de temps en temps, pas assez souvent, des webinaires de prise de fonction pour aider les jeunes volontaires à se repérer dans les crédits d'État, dans les questions de transition écologique, dans les questions de fonds européens, par exemple. Bon, donc, on donne quelques billes et puis quelques documents ressources. C'est assez sommaire, mais c'est plus que rien. Il y a des préfectures qui organisent des accueils des volontaires territoriaux en administration et on sensibilise aussi les collectivités, en fait, qu'elles fassent un accompagnement, en tout cas qu'elles tuteurent, enfin qu'elles fassent en sorte que le jeune se retrouve bien dans sa mission de volontaire territorial et dans un collectif, puisque l'objectif, c'est aussi qu'il découvre ce que c'est qu'une collectivité territoriale rurale. Voilà, donc j'insiste un petit peu sur le rôle des préfectures. Nous, on n'a pas toutes les relations qu'on peut avoir en direct avec les collectivités, on met toujours, toujours les préfectures dans la boucle. On a voulu faire, on n'a pas beaucoup de... Enfin, c'est un dispositif un peu cousu main avec 800 VTA. Donc, on a voulu faire assez simple. Mais donc, chaque fois qu'on est sur une mission, une collectivité éligible, on traite en direct. Et chaque fois qu'on a des questions, qu'il peut y avoir une dérogation, qu'on a un doute, c'est la préfecture qui nous donne sa position et on suit toujours la position de la préfecture. Il peut y avoir des mutualisations, c'est-à-dire que plusieurs petites communes peuvent se dire, nous, on recrute un VTA ensemble et on donne à ce moment-là le cheminement juridique pour se faire. J'ai évoqué la délibération. Hein, donc, il n'y a pas besoin que la délibération ait été prise avant la publication de l'offre. Par contre, il y a besoin de fournir la délibération à la préfecture au moment du paiement de l'aide, les 15 000 euros. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire. Là, on va lancer. Alors, peut-être le plus gros bémol qu'on a sur le dispositif, c'est qu'il y a quelques collectivités rurales qui ont du mal à trouver leurs jeunes. Alors, parfois parce que l'offre n'est pas assez contextualisée, pas assez décrite, parfois parce que le territoire est isolé, parfois encore parce que la rémunération proposée est trop faible. Mais toujours est-il que nous, on essaie de booster, donc on a fait pas mal la promotion du dispositif auprès, et là, on relance, puisque c'est le moment, auprès des associations de jeunes diplômés ou auprès aussi des directeurs, des responsables d'université, pas des directeurs. Voilà, là on est en train de lancer une campagne de communication sur le LinkedIn et Instagram dans un certain nombre de régions, en gros les régions qui forment la diagonale du vide et dans un certain nombre de villes. Ça va toucher les jeunes qui actuellement sont dans les étudiants dans ces villes-là, voilà, parce qu'on a repéré qu'il y a des zones où les collectivités ont plus de mal que d'autres à trouver des jeunes. Voilà, donc on lance cette campagne de communication en fin de cette semaine. Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer, puis on est complètement à disposition pour répondre à toutes vos questions là maintenant, mais aussi à l'adresse vta@anct.gouv.fr que je vais remettre dans le chat. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, comme Madame Perminja qui a demandé, peut-on avoir deux VTA dans une même structure ? Absolument. Alors, on peut avoir deux VTA. Effectivement, on délègue sans poser de questions deux VTA à une même collectivité. Au-delà, ce n'est pas impossible, mais on regarde un petit peu la
enfin, on discute en général avec la préfecture parce qu'il n'y a pas de quota par département, par région. Hein, c'est au fil de l'eau et ça ne se gère pas trop mal. Mais voilà, une collectivité, mais il y en a, je crois, deux en France qui ont 3 VTA ou qui ont demandé 3 VTA. On regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe à partir de 3. Mais 2 VTA, de droit, il n'y a pas de problème. De la même manière, parce qu'on arrive à ce moment où il y a des collectivités où des VTA arrivent à échéance, on peut, un VTA, un jeune qui est déjà sur une mission VTA, peut repostuler sur une autre mission VTA. On peut cumuler 2 VTA de suite, si vous voulez, mais pas sur la même mission dans la même collectivité. Mais par contre, un VTA peut rester dans la même collectivité, mais à condition qu'il soit mis sur une autre mission. Et une collectivité peut remplacer un VTA par une autre mission VTA, mais à condition qu'il y ait vraiment, que ce soit vraiment une deuxième phase de la mission, enfin qu'il y ait un petit peu un changement de nature de la mission. Voilà. Donc, bon, globalement, on est quand même assez souple dans la poursuite et dans l'enchaînement des missions. On répond pareil aux questions particulières que chacun se pose au moment de renouveler les missions. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions à propos du dispositif VTA que franchement, je vous recommande tous, mais alors sans vraiment aucune arrière-pensée ni aucun intérêt. Mais c'est vrai que nous, bientôt, à Leader France, nous aurons la chance d'accueillir une deuxième VTA également dédiée à d'autres missions que les miennes. Donc, c'est quand même une sacrée chance, autant d'ailleurs pour les collectivités que pour les jeunes. On a un moment où on se pose la question de la poursuite, où on nous pose souvent la question de la poursuite du dispositif. Comme je l'ai dit, ça a été financé par le plan de relance, donc le plan de relance est terminé. Donc, on est en attente d'arbitrages gouvernementaux et budgétaires et d'une nouvelle feuille de route de l'agenda rural pour savoir si le dispositif perdurera ou pas et surtout s'il sera doté financièrement. Nous, on défend plutôt sa poursuite parce qu'on a plutôt des échos favorables, tant des élus ruraux que des préfectures et même des jeunes. On va envoyer un questionnaire là très prochainement pour affiner ce jugement. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Voilà. Bon, si le dispositif est amené à se pérenniser, peut-être ses modalités de gestion se réorganiseront un petit peu plus en lien avec les préfectures. Ce sont des choses qui sont en discussion. Mais voilà. Eh bien, merci beaucoup. Si pas d'autres questions ni autres remarques, je crois que nous arrivons à la fin de notre webinaire. Et donc, je remercie l'ensemble des intervenants et l'ensemble des participants. Et si vous avez plus de questions, ne surtout pas hésiter à contacter Leader France. Nous allons du coup publier l'enregistrement bientôt sur notre chaîne YouTube, je pense. Et vous recevrez également un mail avec l'ensemble des diapos qui ont été diffusées et ainsi que les cartes mentales que j'avais pu vous visionner pendant l'intro. Voilà, si pas d'autres remarques, eh ben, je vous souhaite une très bonne journée et une bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir.